You don't look your age. Et donc, comment est-ce qu'on traduit en français? Oh, you don't look your age. On a deux façons principales de traduire cette expression. La première, oh, quand tu parais pas ton âge. Tu ne parais pas ton âge. Tu ne parais pas ton âge. La deuxième, ah ben tu ne fais pas ton âge. Tu ne fais pas ton âge. Tu ne fais pas ton âge. Tu fais plus jeune. Tu fais plus vieille. Oui bon, ça par contre, ça va pour les personnes relativement jeunes. Mais après, je pense que c'est mieux de s'abstenir. On pourra également entendre, t'es pas mal pour ton âge. Ou encore, t'es plutôt bien conservé pour ton âge. Mais ça, je trouve ça un peu dégradant. Ça peut être perçu vraiment négativement. La traduction principale, c'est faire son âge. Mais c'est quoi faire son âge? En fait, faire son âge, c'est dicté par la société qui te dit que à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, tu dois avoir l'air de ça. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les magazines, au cinéma, dans les pubs. Mais du coup, ça m'amène à te partager peut-être mes astuces pour ne pas faire mon âge. Il faut savoir que déjà depuis plus de 10 ans, je pense, je ne mets plus de produits chimiques sur ma peau. Maintenant, j'utilise que des huiles. Tu as l'huile de coco, l'huile d'olive. J'utilise par exemple de l'huile de ligel. Et ça, c'est le truc magique. C'est du beurre de karité. Shea butter. Pour les cheveux, c'est pour le corps, pour la peau. Petite astuce. Ensuite, ça fait longtemps que j'ai banni, c'est-à-dire j'ai laissé ce qui n'est pas sain au niveau de l'alimentation parce que je pense que c'est important de prendre conscience que ce que tu mets dans ton corps, c'est ce que les gens voient. Je mange beaucoup de fruits et de légumes, je fais pas trop attention aux quantités, mais les trucs sucrés, très peu pour moi. Ensuite, et je pense que c'est ça le facteur principal, parce que j'ai déjà vu des gens qui n'avaient vraiment pas une vie saine et pourtant ils avaient l'air bien jeunes, c'est être heureux. Bref, avant de se quitter, je voulais te rappeler que l'âge, c'est pas si important. Vis ta vie, l'âge, c'est qu'un chiffre. Et puis ensuite, on s'en fout de ce que les gens pensent. Et je pense que c'est ça aussi qui me réussit plutôt bien. Français, on va dire, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Enfin, c'est pas 100% vrai, mais en général, je fais pas trop attention. Et surtout, je me compare pas trop aux autres. J'espère que tu as trouvé ce partage intéressant. Je te rappelle que je donne des cours de français pour t'aider à progresser en français et pour apprendre et comprendre plein de choses sur l'univers francophone.